On est rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je me présente, mon nom est Derek Tremblay. Encore une fois, je suis le directeur ici au salon funéraire. Si tout se passe bien au niveau de la technologie, cette cérémonie, elle est enregistrée et sera diffusée sur YouTube au cours de la journée. Tout ce que vous aurez à écrire en allant sur YouTube est « Cérémonie funéraire de Jacques Meunier » et vous devriez normalement le trouver si tout se passe bien, encore une fois. Libre à vous si vous désirez enlever votre masque, particulièrement si, un, vous êtes vacciné, deux, parce que vous avez un 2 mètres de distance avec la personne en face de vous, et si vous avez des symptômes, on vous demande tout simplement de garder, bien sûr, vos masques. Donc, c'est libre à vous, à votre discrétion. Si ce n'est déjà fait, vos téléphones cellulaires, ce n'est pas pour me prendre en photo, s'il vous plaît, mais vos téléphones cellulaires les mettent en mode vibration ou de les éteindre. Parce que sinon, vous êtes invité à l'avant, si ça sonne, à faire une lecture d'une manière ou d'une autre. Mais non, faites-vous-en pas. Pourquoi un petit brin d'humour? C'est parce que nous allons faire ensemble un mélange d'un hommage à la vie de Jacques. Non pas ses derniers moments, de la manière qu'il a quitté, mais dans son ensemble de vie. Et je pense, de la manière, ce qu'on me dit, il était non seulement un combattant, mais le sens de la vie, et c'est un peu de cette façon-là que je me permets de mettre un petit peu d'humour, mais soyez rassurés, pas toujours. Quand on fait le signe de croix, tout simplement, c'est que ça nous rappelle le signe de notre baptême, d'une communauté dans laquelle nous faisons partie dans la foi, dans l'Église catholique comme telle. Mais c'est une famille spirituelle, comme autant vous êtes ici, une famille physique rassemblée par les liens du sang et bien sûr par l'amitié. Lorsque je fais un hommage à la vie, il y a trois étapes. La première, c'est qu'on va dans le passé pour en savoir un peu plus ce qui est Jacques. Ensuite, le moment présent. Quelles sont les émotions qui nous habitent en cette période de deuil? Et bien sûr, le futur. Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour nous? Oui, il y a de l'espoir parce qu'enfin, on va bientôt pouvoir aller sur les terrasses. Alors, poursuivons. Qui est Jacques? D'où vient-il? Bien sûr, à sa naissance, on lui a donné un nom. Ce nom l'a suivi tous les jours de sa vie comme tel. Et qui de mieux, justement, pour nous parler de lui que son fils? Alors que j'invite à l'avant. Désolé de ce rassemblement, mais c'est la vie. Il faut que ça continue. Mais pour nous, à nos yeux, mon père était plus qu'un grand homme. Il était un guerrier, un combattant, un homme de cœur et d'honneur et de principe. Partout où il allait, il inspirait l'amour et la joie. Partout où il allait, tous les enfants venaient à lui. Tout le monde aimait jouer avec. Il avait un cœur si grand que si tu lui aurais demandé ta chemise, il te l'aurait donné. S'il y aurait eu 10 cents, il serait privé pour que tu puisses manger avec. Jamais il aurait venu te voir pour te le redemander. Quand il donnait avec cœur. Il a été un mari pour ma mère, exceptionnel. Un père, un grand-père, et un arrière-grand-père, et un frère. Donner de son temps pour lui, c'était plus que précieux. C'était quelque chose d'exceptionnel. C'était du temps de qualité qu'on passait avec. Il y avait toujours une petite place dans son horaire, peu importe ce qu'on faisait, qui pensait toujours, « Hey, c'est vrai, il faut que je garde du temps parce que mon frère s'en vient prendre un café. » Peu importe. Non seulement que vous perdez aussi un frère, mais un très grand ami. Puis pour moi, mon meilleur ami.
Pendant près d'un mois, il a été fidèle à ce que je me souviens de lui, un vrai guerrier. Il s'est battu, puis il a réussi à battre la COVID. Mais comme c'est un homme de cœur, mais il a tout mis son cœur aussi. Excusez-moi. Mais ses pensées sont toutes pour nous. Parce qu'il pensait déjà aux rénaux, aux vacances, à sa sortie de l'hôpital, ses rencontres tant attendues avec son frère, qu'il gardait soigneusement en pensée. Nous gardons de beaux moments qui restent imprimés dans nos cœurs et dans nos mémoires. Nos moments les plus privilégiés avec lui sont tous dans nos pensées les plus intimes. Moi, pour ma part, mon moment le plus privilégié que j'ai eu avec mon père, c'est 18 heures avant que ça arrive. Il m'a demandé si je voulais bien le raser puis l'arranger, qu'il soit plus beau pour ses visites. Puis quand j'ai fini par le raser, puis qu'on a pris un petit selfie, il m'a dit comment ça avait fait du bien que je le rase puis de passer du temps avec. Puis avant de quitter sa chambre, il m'a demandé une chose. De garder les liens qu'il a fait aussi serrés de sa famille réunie. En me disant, c'est André, dans la vie, tout se pardonne, tous les gestes se pardonnent. Puis que le temps qui passe, c'est qu'est-ce qui est le plus précieux. Pars en paix. Nous t'aimons très fort, papa. Tu vas rester pour toujours dans mon cœur. Merci. Merci. J'invite toujours, ici au complexe Le Sieur, s'il y a des personnes qui voudraient ajouter quelque chose de déjà ce qui a été dit, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de venir à l'avant. Simplement lever la main et vous pourrez parler, bien sûr. Et je vais le résumer en mes mots pour qu'on puisse vous entendre là, pendant le système de vidéo. À votre discrétion. Oui, monsieur. Un homme d'honneur, un homme de parole, un homme d'amour, puis on ne pourra pas le remplacer. C'est bien ça? Vous savez, quand on a un goûter, c'est là que les gens vont jaser, de rappeler des beaux et bons souvenirs. Il n'y en aura pas de goûter après. C'est pour ça que je vous permets justement de profiter de ce moment-ci, d'aller chercher les beaux et bons moments. Parce qu'on n'a pas à se le cacher. Il va y en avoir d'autres moments de tristesse, de douleur, de peine. Mais lorsqu'on veut se rappeler des beaux moments, bien, c'est une forme d'encouragement, de courage et d'espérance. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à dire ne serait-ce qu'une phrase, un mot, un beau souvenir, un moment que vous avez eu avec lui. Moi, j'ai fait des beaux voyages avec lui. Des beaux voyages. Quel endroit? Une place. Oh. Bécomo. Bécomo. Au Québec. Au Québec. On a une belle province. Oui. Un beau pays. Oui, puis on a eu plein de plaisir. Parce que c'est un bon voyageur. C'est un bon voyageur et beaucoup de plaisir. Oui. D'autres?
qu'est-ce qui vous, si je vous dis Jacques Meunier, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Un père bien-aimant qui aimait venir à la pêche partout avec moi. Ah, de la pêche. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des histoires de pêche à nous raconter? Toutes les histoires sont vraies? Sont réalistes? Alors, comme on dit, qui ne dit mot consent. Alors, ce que je vous inviterai à faire durant la prochaine chanson de « Je t'aime tout court », repensez un beau souvenir que vous avez eu, tout simplement. Je t'aime tout court, sans beaucoup ni vraiment, sans faire peur ni semblant, sans condition ni règle. Je t'aime tout court, sans peut-être ni seulement, sans parure ni diamant, sans artifice ni chaîne. Je t'aime tout court, sans tambour ni canon, sans vainqueur ni perdant, sans belle promesse ni piège. Je t'aime tout court, sans orage ni volcan, beau temps comme mauvais temps, au profond de moi-même. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot, lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin d'eux pour te dire que je t'aime. Je t'aime tout court, sans virgule, sans accent, sans détour ni serment, sans complexe ni gêne. Je t'aime tout court, sans une limite de temps, au passé, au présent, bien au-delà du rêve. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot, lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin d'eux pour te dire que je t'aime. Tout court, même si l'homme est violent, même si vivre est dément, même si lourdes sont nos peines. Je t'aime tout court, follement, tendrement, fort de tout mon vivant, collé contre tes lèvres. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot, lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin d'eux pour te dire que je t'aime. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin d'eux pour te dire que je t'aime. Aspect religieux. À chaque année, nous faisons un voyage autour du soleil. Durant ce temps qui nous est prêté, nos expériences de vie sont différentes les unes des autres. Après chacune des intentions de prière, on va garder un moment de silence. Pour Jacques et pour tous les défunts, défuntes que nous avons connus et aimés, pour nos amis qui sont ici aujourd'hui dans la peine
et pour tous ceux et celles qui pleurent. Pour ceux et celles qui se dévouent au service des autres. Pour ceux et celles qui croient la résurrection. Pour nous tous ici rassemblés, jour après jour, année après année, notre vie est entre tes mains, Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute nos supplications et daigne répondre à nos appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez récité tantôt la prière du Notre Père en la chapelle. Si on prend bien le temps d'y penser, dans cette prière-là, il y a 7 demandes, dont la toute dernière est « Délivre-nous du mal ». Si vous prenez votre téléphone cellulaire, vous allez sur Google ou peu importe, et vous demandez le nombre de mots commençant par « mal », il y en a au-dessus de 600 environ. Donc, il y en a un mot qui revient très souvent, surtout dans le domaine funéraire, c'est bien le mot « maladie ». Et quand on le sépare en 3, qu'est-ce que ça nous donne? « Mal a dit ». Le mal a dit quelque chose. Donc, quand on récite la prière du Notre Père, dans le fond, indirectement, c'est quand on dit « délivre-nous du mal », c'est comme un autre terme qui veut dire « donne-nous de la santé ». Que c'est l'heure au bien, le bien a dit. Quand on dit le contraire de maladie, on va dire « c'est santé ». Entre vous et moi, mot à mot, ça serait quoi « bien a dit ». Donc, ce qu'on a de besoin dans notre société d'aujourd'hui, c'est de la bonté. Et c'est ça qu'on a vraiment, je crois, que Jacques vous a dégagé. Et quand il demande à son fils en disant « maintenant, rassemble les membres de la famille, c'est comme l'aîné », puis « non, non, occupe-toi-en, là, pas juste me raser, là. » De veiller à tout le monde et bien sûr, d'avoir cette unité dans cette famille. Donc, je vous inviterai cette fois-ci à réciter la prière du Notre Père une deuxième fois, mais en pensant ce que ça veut dire, « délivre-nous du mal ». Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et si vous connaissez cette prière, je vous invite à la réciter avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Parce que dans notre moment présent, on vit le deuil, on vit des souffrances qui font mal. Ça peut être la colère, la tristesse, bien sûr. À l'extrémité, ça peut être jusqu'à là la dépression. Ça peut être aussi le déni, le choc. Bref, il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent se passer. Et lorsque ça se passe à l'intérieur, honnêtement, ça devient comme une espèce que j'appellerais un casse-tête émotionnel. Et pour ceux et celles qui ont déjà fait au moins un casse-tête une fois dans sa vie, quand on en fait un, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on commence avec les bords, mais avant de faire les bords, il me semble qu'on commence par chercher les coins. Hein? En tout cas, moi, dans mon cas, je me souviens, je cherchais les coins, on faisait les bords, puis on s'assurait que toutes les pièces, on voyait les bonnes couleurs, et tranquillement.
Donc, le deuil, c'est un peu le même principe. C'est une étape à la fois, c'est un morceau à la fois, peu importe la quantité de morceaux. Dans cette perspective, c'est là qu'on va écouter la prochaine chanson de Céline Dion et de Garou, « Sous le vent ». Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Je crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des frissons? La chair de poule. Levez donc la main. Personne? Il y a juste moi? J'ai juste un petit problème dans ma... Moi, j'ai eu de la peine. De la peine? Ça vient chercher, celle-là. J'ai senti une libération. Oui, et puis enfin, respirer. Un répit. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Il a suivi son étoile. Il a suivi son étoile. D'autres? Qu'est-ce que vous avez vécu, senti pendant cette chanson-là? Pas habitué, hein, les thérapies de groupe? Ça paraît. Un homme qui aimait tout le monde. Pas de jugement. Je
Il était grogneux. C'est bon. D'autres personnes voudraient partager. Vous savez, l'idée, quand on a le deuil, on a de la peine, des fois, c'est pas facile. Je vous l'ai dit, ça fait mal. Mais une des choses d'expérience, je suis dans le domaine en plus, il faut l'exprimer. Il faut que ça sorte. C'est pour ça que quand on choisit des chansons, excusez-moi, mais on fait exprès justement que ça soit triste pour sortir cette peine-là. La certaine tension, le casse-tête, comme j'ai mentionné tantôt, il y a du monde qui ne veulent pas parce que justement, ça fait mal. Mais il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce moment-là que bien des psychologues et autres vont dire, quand il y a des étapes du deuil ou des mots émotionnels du deuil, il y a l'acceptation. Acceptation ne veut pas dire c'est fini, on n'en parle plus puis on passe à autre chose. C'est justement, c'est pouvoir d'en parler et à la longue, on va y avoir une certaine paix intérieure. Quand Garou dit il va trouver son étoile, il a trouvé son étoile, il a trouvé sa paix. Ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, on a un GPS. On n'a plus besoin de se fier aux étoiles quand on se promène en bateau, parce qu'à l'époque, puis quand je dis l'époque, on remonte à quasiment 200 ans et plus, bien sûr, ils se fiaient sur quoi pour naviguer sur l'eau? Les étoiles. Donc, aujourd'hui, on a un GPS, mais la journée qu'on va perdre notre GPS, on sera en haut, complexe funéraire Le Sieur. En boussole. En boussole, oui. Ou il faut ressortir nos cartes papier, etc. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'on prend trop des choses pour acquis. La vie, elle est excessivement fragile. Et dites-vous une chose, que le moment que l'on vit dans le moment présent, ça pourrait très bien être le dernier. Donc, si vous avez dit à quelqu'un « je t'aime » ou si vous avez pris votre café, vous avez pris votre douche, vous avez pris un verre d'eau, votre brosse à dents, brosser les dents, peu importe, puis c'est la dernière fois que vous le faites, vous allez réaliser comment c'est important, les gestes ou les paroles qu'on a dites, parce que c'est littéralement la dernière fois. Vouloir raser quelqu'un d'autre, il faut faire confiance de se faire raser. Ça, c'est juste un exemple banal que je donne. Mais le geste, c'est la dernière fois. Donc, qui sait qu'un jour, on va peut-être montrer à quelqu'un d'autre de raser. Moi, l'image que j'ai, c'est le film de James Bond, où Moneypenny est en train de le raser, puis il dit « Ah, ça, c'est la partie la plus dangereuse. » Et il fait confiance pas à peu près. Je ferme la parenthèse. Simplement pour vous dire que j'ai comme une définition, un mot-clé avec un petit peu d'humour que je disais à un moment donné, c'est « déréquitude ». C'est quoi ça, la déréquitude? Ça regroupe la béatitude, attitude, altitude, puis toutes les titudes, mais qui veut dire c'est l'art de cheminer et de savourer le moment présent parce que ça pourrait très bien être le dernier. Quand vous dites au revoir à quelqu'un, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que vous le dites. Vous allez voir la différence dans l'attitude, dans le comportement que nous avons par rapport aux gens autour de nous. Chacun va réagir différemment. Alors, c'est tout simplement ça. Et je veux terminer avec un petit poème que j'ai rédigé qui s'intitule « De la mort à la vie ». Il y avait un temps où je te touchais par un câlin. Je savourais ta bonne compagnie. Je respirais ta présence. Je regardais la beauté de ton cœur et je t'entendais me dire « Je t'aime. » Depuis quelques jours, je pleure ton départ. Mon cœur souffre de ne plus te voir. Je ferme les yeux et je prie pour ton retour. Je préfère vivre dans le passé. La souffrance et la douleur m'étouffent. Je m'isole de tout ce qui m'entoure. Mais par un miracle, aujourd'hui, j'ai appris l'importance de sourire parce que j'ai vécu avec toi. D'ouvrir les yeux et de te voir dans mes gestes, d'être rempli de l'amour que tu m'as partagé, d'être heureux pour demain à cause de notre passé,
d'honorer ton existence et ta vie, te laisser voyager, et je rajoute en bateau, vers l'au-delà, de faire ce que tu aurais voulu de moi, d'aimer et de vivre pleinement ma vie. Voilà l'essentiel d'un hommage à la vie. Et encore une fois, jeu de mots, essence ciel, essence carburant spirituel. Alors voilà le carburant spirituel pour aujourd'hui. Alors on a fait un tour, savoir qui était Jacques. On a vécu notre moment présent, faire affaire avec nos émotions, ce casse-tête-là. Et avoir un petit message d'espoir qu'au bout du tunnel, il y a de la lumière. Dans la nuit, il y aura maintenant une étoile et son nom s'appelle Jacques. Comme c'est un petit peu un service religieux, je me permets tout simplement de bénir l'urne. Et quand on fait le signe de croix, c'est simplement vous rappeler que des fois, il y a des personnes, quand, puis je me permets un petit peu brin d'humour, les personnes vont faire un signe de croix, on va dire « Amen ». Ah, ça, c'est petit. Mais si on le fait bien, ça veut dire « Je demande que ma qualité de relation que j'ai avec Dieu » soit égal à ma qualité de relation que j'ai avec les autres. Donc, le message de Jésus, il y a 2000 ans, d'aimer son prochain comme soi-même et d'aimer Dieu de toutes ses forces, bien, c'est ça l'équilibre que nous avons besoin. Et c'est évidemment de donner du plus, du positif dans notre vie. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Est-ce que vous voulez donner la bénédiction, si vous voulez, à tout le monde ici? Sentez-vous bien à l'aise ou je le fais à votre place? Ou il y a d'autres membres de la famille qui voudraient le faire? Non, bon. Alors, je le fais avec un petit brin d'humour. Quand on parle d'eau bénite, c'est souhaiter du bien. Alors, et de chasser spirituellement tout le mal qu'il pourrait y avoir dans nos vies. Alors, si vous avez des lunettes, je vous suggère de les enlever. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, durant la dernière pièce musicale que nous allons entendre, je vous invite à votre discrétion, non pas à toucher l'urne, mais simplement à mettre votre main en face de l'urne, que ce soit faire un signe de croix. Vous pourriez faire une petite prière ou une pensée à voix haute ou à voix basse. Ça sera à votre discrétion. Et tout de suite après, de quitter la chapelle, s'il vous plaît, et de, bien sûr, de remettre vos masques et de respecter le 2 mètres de distance. Encore une fois, au nom du complexe Losseur, on tient à vous souhaiter nos plus sincères condoléances et merci d'avoir pris ce temps pour vous, pour Jacques. Merci.